Donc bonsoir à tout le monde. Ce soir nous avons une formation au trading actif et euh, le sujet scalper l'euro GBP avec la stratégie 1 minute brex. Alors euh, voilà une stratégie que euh, nous avons enfin que j'ai présentée en tout cas euh, je pense euh, au salon de l'analyse technique. Euh, C'est une stratégie aussi que <coughs> Euh, nous avons utilisé lorsque nous avons fait des, des journées de scalping live dans notre bureau à Paris. Et euh, c'est une stratégie que j'aime bien et euh, je pense que c'est intéressant pour euh, débutants, euh, gens expérimentés, euh, tout, tout type de, de traders. Alors voyons un petit peu l'agenda de la journée. Première question un petit mot sur l'euro GBP. <coughs> Deuxièmement, les fondements de la stratégie. Elle est composée de différents éléments. Il faut bien expliquer le rôle de chaque élément, etc. Tout ça, c'est pensé. C'est quelque chose de, de, on va dire de, de très intéressant de ce point de vue-là. La stratégie en détail, c'est-à-dire comment on l'applique et comment on, on travaille avec. Et puis, cette... Ce quatrième point que je juge très intéressant, c'est-à-dire programme d'entraînement à base de playback. Alors, j'expliquerai ce que sont les playbacks et le, le programme d'entraînement, en quoi ça consiste, mais grosso modo, on est en prise avec une stratégie, on est en prise avec des outils, des données historiques, que si on a la volonté, on peut exploiter ses atouts et se créer un programme d'entraînement et devenir fort dans cette stratégie, par l'entraînement, par la répétition. Donc ça c'est très intéressant. Celui qui veut vraiment progresser, en réalité c'est ça qu'il doit faire. Donc en Belgique aussi, euh, le son est OK. Donc tout va bien François. Alors, on continue. Donc, bon, l'euro GPP, grosso modo, tout le monde connaît euh, l'euro GPP, hein, la liste sterling contre l'euro. Grosso modo, on parle beaucoup de, de la sortie des Anglais, euh, le Brexit, le vote. Rappelez-vous que le vote, c'était euh, quasiment, c'est quasiment un an, c'était le 23 juin euh, 2016. Donc, c'était exactement il y a euh, un an moins un jour. Et, ici vous voyez que j'ai un, un, un graphique de l'euro gbp donc euh, il commence le 26 euh, juillet de 2016 donc on voit pas le bon mais il y avait un bon juste euh, juste un petit peu avant et l'euro gbp sur les sur les je sais pas cinq six dernières années euh, au plus bas il avait atteint 0,7 maintenant il traite dans les 0,88 donc euh, c'est pas non plus que euh, euh, il n'y a pas vraiment une tendance. Quand vous regardez un chart pareil, vous avez une sorte de range avec un, G, un euro GBP qui varie entre 0,83 et 0,90. Euh, 90. Donc ça fait 7,7 7 par rapport à 0,8. Ça fait euh, un peu moins que 10%. Donc un range de 10%. Mais quand même, vous voyez euh, des phases de, de, de tendance. Ça, c'est un chart journalier tendance à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc, on est un peu dans un range. Vous voyez qu'en dessous, c'est l'ATR. L'ATR 20. 20, ça veut dire 20 périodes. Quand on prend 5 jours, ça fait une semaine. 20 jours, ça fait 5 fois 4. Ça fait, en grosso modo, plus ou moins un mois. Et vous voyez que en termes de volatilité, ça varie entre 450 ticks, alors le tic, c'est le cinquième chiffre après la virgule, ou 45 pips et euh, 20, enfin plutôt 100 pips si on prend 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire, grosso modo, 45 par rapport à 90, c'est euh, un demi cent et euh, euh, 100 par rapport à, à 90, c est, c est, on va dire, c'est 100... C'est 1,1%. 1 Donc on a un produit qui journalièrement bouge entre 0,5 et 1%. Quand on regarde sur le côté, j'ai pris la volatilité sur 20 jours à travers un autre, euh, un autre, euh, une étude que j'ai fabriquée. Euro USD, 0,49% par jour. Alors que l'USD JPY qu'on avait vu la semaine dernière, c'est 0,69. Donc c'est beaucoup plus volatile. Et l'euro GBP c'est 0,77 en ce moment. Donc, c'est, euh, j'ai fait le calcul à 57 fois pour cent, 57% plus volatile que l'euro USD. Quoi. Donc si vous avez l'habitude de trader l'euro USD, avec l'euro GBP vous avez 50% en, gros, pour cent en plus de volatilité. Et quasi la même chose qu'un USD GPY. Donc une volatilité plus grande, c'est intéressant d'un point de vue fondamental pour nous autres, de trader ça en, en scalping. Et en plus, euh, vous avez ces variations. Donc euh, vous avez comme ça, pendant un mois, il monte, pendant un mois, il descend. pendant Donc, c'est pas mal quand il y a un petit peu de direction. On peut essayer de se fier là-dessus pour trader plus dans un sens. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction sur l'euro GBP. Maintenant, passons au fondement de la stratégie 1 minute BREX. Alors... Premièrement, elle est destinée au scalper. Alors, qu'est-ce que j'entends par scalper Je ne suis pas ici pour faire une sorte de bataille ou de compétition ou de vouloir restreindre ma définition. J'utilise le mot scalper ou scalping parce que vous l'utilisez beaucoup. Nos clients utilisent beaucoup ou sont très intéressés par tout ce qui tourne autour du scalping. Donc, scalping, on le comprend, vous et nous, et vous et moi, on le comprend comme euh, plusieurs opportunités au sein d'une même journée. Ou voir euh, si on se donne 2-3 heures euh, de, de trading, bah, on veut quand même avoir euh, 4-5 opportunités euh, dans ces 2-3 heures. On ne veut pas être là euh, à juste attendre et, et à ne rien faire. Donc, c'est. Un des trader qui, 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 euh, qui ne trade pas un signal par jour, mais euh, 4, 5, 10, ça dépend euh, jusqu'où il veut aller, mais grosso modo, une personne qui est quand même active. Quoi. Alors, la mise en œuvre est discrétionnaire, ça c'est un point important, c'est-à-dire que dans la théorie, on pourrait tout à fait automatiser cette stratégie, mais elle n'est pas réglée ou conçue vraiment pour cela parce qu'elle est conçue plutôt pour satisfaire le scalper c'est à dire elle est conçue pour lui donner beaucoup d'opportunités bien sûr les opportunités sont pas toutes parfaites donc ça sera le travail du, du trader de d'apprendre en fait à euh, 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 filtrer les signaux et, et euh, prendre les bonnes décisions c'est pour ça que donc je fais référence à discrétionnaire et pas automatisé alors, à la base, la stratégie, par définition, nous l'avons créée euh, dans un graphique d'une minute, parce qu'une minute, justement, euh, ça crée de l'action. Euh, chaque minute, il y a une nouvelle bougie. Et euh, il y a plus d'opportunités de, euh, de générer des signaux quand on est sur des unités de temps petites. C'est pour ça qu'on a choisi une minute. Quoi. Elle génère de nombreux signaux. Euh, bon, vous verrez en détail les, les signaux après. On peut l'appliquer à tous les instruments. Euh, oui, on l'a montré sur l'USD euh, euh, JPY, sur l'euro JBP. Le, Il me semble que je l'ai montré sur le, le DAX, ou alors je vais la montrer sur le DAX durant l'été. Et quand je prends les contrats sur lesquels je l'ai montré en temps réel et en live sur un vrai compte, lorsqu'on était à Paris, comme par exemple, je crois que c'était la semaine dernière. Eh ben j'étais sur quoi sur le mini nasdaq futur mini crude oil futur euh, donc mini nasdaq futur c'est comme 20 cfd euh, nasdaq quoi, tech us tech et pour ce qui concerne le pétrole c'est comme cinq euh, contrats cfd et j'étais en même temps sur des contrats standard forex du genre EuroGVP justement, USD, GPY, et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Donc, on peut les appliquer ça en fait sur, sur tous les instruments, aussi bien les indices, les commodities que les forex. Donc, c'est très intéressant. Et puis, c'est quand même une stratégie qui est euh, réfléchie et le principe fondamental, c'est trader dans le sens de la tendance. J'expliquerai comment on met ça en place. Donc, c'est une solution. Stratégie complète, clé en main, des traders, scalpers. C'est une solution, on va sur la plateforme, un clic droit, elle est chargée. Et après, c'est une question de, de connaissance et de, de pratique. Alors, quand on regarde maintenant la stratégie dans le détail. Alors, la première chose, c'est le concept de euh, signal. Donc, cette stratégie utilise un signal bien connu. Euh, c'est le signal triline break que je euh, dont j'ai je, 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 mis les initiales tlb et plus exactement c'est le signal triline break du début d'année c'est à dire la version numéro 2 une version qui permet de distinguer deux types de signaux nous nous sommes à la chasse aux signaux on veut une stratégie qui génère des signaux Ici, nous avons deux types de signaux. Premièrement, le signal d'origine du Triline Break, c'est-à-dire le retournement de tendance, que vous connaissez et que vous reconnaissez ici. Une bande rose, enfin en rouge, hop Une clôture en dehors de la bande, en sens inverse de la direction précédente, de la tendance précédente. On appelle ça un retournement de tendance. La bande devient verte. Ici, le marché continue dans le sens de la nouvelle tendance et on est en, en prise directement avec un retournement de tendance classique. Quoi. Et puis vous avez sur le côté le deuxième type de, de signal. Ici, on a en fait euh, des clôtures qui prolongent la tendance, c'est-à-dire que la bande verte, premièrement, monte à chaque clôture supérieure à la clôture précédente. Et en plus, tant qu'on est... Je dirais, à l'intérieur, tant qu'on clôture à l'intérieur de la bande, eh bien, soit on parle latéralement, soit on reprend euh, notre progression, mais grosso modo, on reste en phase de tendance. Alors, quel est, euh, quels sont les signaux dans ce cas de figure Les signaux, c'est chaque fois qu'on fait un plus haut, grosso modo. Donc, on est dans une phase de tendance, matérialisée par la bande verte, et puis, on réalise des plus hauts au niveau des prix de clôture. Et ça, ce sont autant d'opportunités pour rentrer en position. Il y a d'autres façons d'interpréter la courbe. On verra ça en pratique avec la, quand on aura la plateforme devant les yeux. Euh, ces signaux, il est recommandé de les activer au niveau des alertes. Donc, j'ai montré le réglage, une copie d'écran de la barre de personnalisation. Vous avez message box yes. Donc euh, yes, ça veut dire euh, oui, ça veut dire qu'on active le message qui est en fait une petite fenêtre qui apparaît sur l'écran. On peut aussi faire sonner ou envoyer un email. Et puis en dessous, vous avez en fait un réglage euh, qui détermine le nombre de signaux de continuation ou de prolongation de la tendance. Donc vous voyez qu'ici sur ce petit schéma, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut aller très vite. Donc ici j'ai mis 20. Je vous recommande de faire la même chose. Et donc, à partir du moment où vous avez un nouveau signal de retournement, si maintenant vous êtes dans une phase euh, favorable pour vous de progression, eh ben, vous allez avoir une multitude de signaux. Ces signaux, ils vont être euh, alertés euh, grâce à la petite alerte. Et euh, ça vous permet d'être sur plusieurs contrats à la fois et de savoir ce qui se passe sur les contrats pour lesquels, euh, qui sont, je dirais, sur un graphique qui est derrière votre graphique principal. Alors, la deuxième chose au niveau de la euh, stratégie, c'est l'emploi d'un indicateur bien connu, le Supertrend, payons respect à son fondateur ou à son créateur, Olivier Seban. Et moi, j'aime beaucoup le Supertrend. Euh, je trouve que c'est un excellent outil de suivi de tendance. Le graphique ci-dessous illustre cette notion de suivi de tendance. Vous voyez que l'indicateur Train, qui est un indicateur standard dans la nano, il apparaît sous la forme de deux courbes, cette courbe rouge et cette courbe verte. La courbe rouge, ici, elle est au-dessus des bougies. Et du moment que la, le prix de clôture euh, clôture en dessous de la courbe, on est en tendance baissière. Et là, vous voyez que le prix de clôture, clôture au-dessus, et bien là, on est en tendance haussière. Retournement de tendance au niveau de la, euh, de la courbe super trend. Et puis là, vous voyez, on est au-dessus. On peut toucher, on peut dépasser momentanément. Ça n'a pas d'importance. Ce qui t importe, c'est le prix de clôture. Tant que le prix de clôture est au-dessus. Eh bien, on dit qu'on est en phase haussière. Alors cette information que nous donne en fait l'indicateur Supertrend, on va l'utiliser dans la stratégie et c'est ça qui va nous indiquer en fait la direction dans laquelle trader. Alors on imagine que euh, on construise notre graphique dans le 1 minute, on a notre euh, Triline Break version 2 et on a un deuxième graphique qui nous dit voilà euh, dans la direction euh, dans laquelle il faut trader. Alors nous, on fait mieux que ça parce que en fait, on utilise euh, un autre concept. Alors, ici, je montre juste grosso modo ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire, vous avez le graphique principal en une minute. Vous avez un petit peu en rouge là et un petit peu en vert. Vous avez en fait... Euh, euh, pour être plus précis, vous voyez qu'il y a une bande rouge. En fait, elle est rouge tout au long. Et le vert, ça paraît que ici. Ça, c'est en fait Triland Break. Donc, ce Triland Break, il nous montre un marché baissier jusqu'à cette bougie blanche ici. Et là, il y a un signal de retournement de tendance. En dessous, il y a en fait une autre fenêtre dans cette stratégie dans laquelle on a le super trend appliqué à notre euro gbp pour le moment on est en une minute et une minute la nouveauté la nouveauté et avant que je parle de la nouveauté rappelons nous juste une chose dans la nano on est capable d'utiliser des indicateurs pour nous euh, permettre de euh, nous comment je de nous indiquer la tendance donc ici vous voyez que en fait le super train qui est dans cette partie là il a pour effet de colorer le fond d'écran. Donc rose, vert, rose, vert. Donc vert, ça veut dire haussier. Rose, ça veut dire baissier. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais la chose plus importante, plus impressionnante, c'est en fait, dans la slide suivante, cette même fenêtre en bas avec notre Supertrend. J'ai la possibilité et vous avez la possibilité d'en changer l'agrégation. Donc, ça, c'est une des, des caractéristiques ou des, des, des fonctionnalités vraiment euh, impressionnantes de la Nano. C'est de permettre de changer l'agrégation d'une fenêtre avec ce qu'il y a dedans. Donc, ici, on a maintenant une nouvelle courbe euh, du Super Train. Mais sur une unité de temps plus grande. Par défaut, la stratégie elle est réglée sur 10. Vous pouvez changer 10 d'agrégation au moins. 10, ça veut dire que vous regardez le marché avec euh, une unité de 10 et le super trend, et vous dites tiens voilà, je suis en phase baissière. Cette information elle est projetée dans le graphique principal sous la forme de deux choses. La courbe en elle-même qui apparaît ici par palier, forcément, puisque vous, vous avez une bougie qui représente 10 bougies d'une minute. Donc quand on projette cette information ici, vous re vous retrouvez en fait à couvrir 10 bougies d'une minute. Puis vous avez le mouvement, 10 bougies, etc. Donc l'information de la tendance, elle est reflétée par cette ligne couverte d'une bande. La deuxième chose, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire le fond d'écran est coloré en rose puisque vu que le super train est à la baisse, il faut trader à la baisse. Donc, la nano comprend, il faut, grosso modo, ne laisser passer que les signaux baissiers. Ça, ça permet d'apporter de l'ordre dans votre stratégie et ça permet aussi de ne pas poursuivre des signaux qui vont dans la direction opposée et qui sont à déconseiller. Alors. Alors, à ce, stade, à ce stade, je vais montrer la plateforme. Je vais ouvrir ma plateforme. Elle est vide. On est sur une page vide. Et qu'est-ce que je fais Je vais sur Ouvrir un graphique. Je vais chercher ce fameux Euro GBP. Et je vais vous montrer comment l on, on applique la stratégie. Donc, on fait un clic droit dessus, modèle d'étude, stratégie, là, vous avez la liste de toutes les stratégies, et puis vous remontez, et puis c'est la première tout en haut. J'appuie, la stratégie apparaît, avec le fameux graphe en bas, etc. Donc, on ouvre ça pleinement, on va regarder, par exemple, la journée d'aujourd'hui. Alors là, on va s'intéresser à la partie récente. Comme ça, vous reconnaissez un petit peu ce que vous aviez sur l'écran. Et on va prendre. Euh, voilà. On voit un petit peu le, le changement au niveau du super trend. Oui. On avait au niveau du super trend, on avait grosso modo le marché à la hausse, avec le super trend en dessous à la hausse. Puis au niveau de cette bougie, clôture à la baisse et puis maintenant on est en phase baissière donc ça ce que vous avez ici, c'est ce que j'ai expliqué clic droit, agrégation vous voyez Hop, avec la molette de la souris, 1 si je mets 1, c'est exactement les mêmes bougies que j'ai au dessus et vous voyez que le graphique il est projeté grosso modo sur euh, l'écran, le graphique euh, du super train. moi je vais remettre 10. 10, voilà. Et 10, ça m'amène de l'ordre puisque ça m'indique c'est quoi la direction. Alors, vu que euh, je fais confiance en fait à, euh, au fait que cette euh, courbe est projetée dans mon chart principal, en pratique, je vais pas regarder sur cette courbe. En pratique, je vais me baser sur ce que j'ai devant moi sur l'écran. Alors, quand je regarde... Je vois effectivement le super train. Je vois plus précisément, si je zoome un petit peu, je vois en fait, vous voyez, un fond d'écran vertical un petit peu plus foncé, tous les 10 bougies. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe Le fond d'écran, ici, un petit peu rose foncé, c'est le début de la bougie d'une minute qui correspond en fait. Une fois qu'il y a eu un retournement de tendance au niveau du super train, c'est la première bougie d'une minute. Et puis on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la dixième, c'est avant le fond d'écran un petit peu foncé. Donc ce qui compte maintenant au niveau des, euh, du changement de couleur, je dirais, pour ce qui concerne... La direction. Ce qui compte, quand vous prenez par exemple un cas de figure ici, ce qui compte, c'est où est-ce qu'on est à la dixième bougie par rapport à cette ligne qui représente Super Donc, si je prends par exemple cette situation ici, ces dix bougies-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est la dixième, elle clôture à ce niveau, c'est en dessous de cette ligne, de ce fait, on est toujours en situation de baisse. Maintenant, la bougie suivante, on voit qu'on clôture au-dessus. Pas de problème, on peut clôturer au-dessus, aucun problème. Le point fondamental, c'est que euh, lorsqu'on clôturera au niveau de la dixième, tant qu'on sera en dessous de cette ligne qui représente le super train, eh bien, on, 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 on considérera qu'on est toujours en euh, période de baisse. Alors Soit dit en passant, quand on regarde maintenant, par exemple, cette figure-là, ça, je vous le dis comme ça, mais ça, c'est une très belle figure, en fait, de, euh, comment de, de retournement. Enfin, c'est un beau signal de baisse. Pourquoi Parce que on rentre dans la bande, on monte jusqu'à ce niveau et on est repoussé fortement. Ici, quelque part, il y a une résistance forte. On a été repoussé, donc on peut euh, supposer qu'après un mouvement pareil, on ait une impulsion vers le bas, au moins quelques bougies. Quoi. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Donc, euh, parmi les signaux intéressants à considérer, ça c'est un signal très intéressant. Quoi. Après, vous avez bien sûr, si on regarde les, les autres types de signaux, vous voyez, vous avez bien sûr comme type de signaux tout simplement la notion de si on oublie cette bande en haut du super train vous avez juste la notion du fait qu'on avait une bande verte triline break suivie par une bande rouge triline break donc ça c'est en même temps un signal de retournement de tendance juste par la lecture du triline break maintenant voyons un petit peu ce qui se passe par là ça c'est un signal de retournement de tendance seulement vous voyez c'est un signal haussier mais comme on est en phase baissière et eh bien la nano ne le montre pas, ne l'indique pas comme un signal euh, de hausse. Donc, nous, on ne le considère pas comme un signal à la hausse. Quoi. Là, de nouveau, même cas de figure, vous voyez, on vient buter dans cette, euh, dans cette euh, bande super traîne. Et puis, on a un signal ici de baisse, parce qu'on est repoussé. Et là, on a le triline break qui change de couleur, qui devient rouge. Donc, là, excellent point d'entrée, et puis en fait suivi par un beau mouvement. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a différents types de, de signaux et il n'y a pas juste une formule magique, c'est un petit peu la pratique qui dictera euh, qui, 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 qui. En fait, il faut chercher à pratiquer pour bonifier son jugement, c'est aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre jugement, il est bien encadré par une notion de euh, tendance, une notion de signal ou signaux et avec ces éléments là il faut essayer de prendre des bonnes décisions quoi alors ici juste pour illustrer vous voyez ça c'est un signal donc de retournement mais ça le fait que' on fasse un plus bas un péril de clôture plus bas mais aussi ici 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 tout ça ce sont des signaux en fait de continuation de tendance et euh, on peut aussi utiliser, la bande en elle-même. ouais, un rebond ici. Hop, et on, on se retourne là. ça en soi-même, ça fait penser à un signal de baisse. oui, donc, on peut élargir le choix en fait au niveau des signaux. mais ça, ça viendra par l'expérience. alors, qu'est-ce qui est important à dire aussi ici? regardez l'échelle verticale sur la droite. 0,88, 125, donc ça c'est 0,88, 12, 13, donc ça c'est comme 1 demi pip ou 5 ticks 1 pip, c'est 4 chiffres après la virgule, un tic, c'est 5 chiffres après la virgule. Donc on raisonne en pip, donc ça fait, euh, grosso modo, 1 demi, donc ça, ça fait 1. Donc alors, on va un petit peu resserrer l'échelle, et idéalement, on positionne son échelle. Par exemple, ici, c'est comme si je me mets sur deux pips. Donc, idéalement, on se met toujours avec la même échelle verticale. Ça nous donne une idée de la vitesse, de la force du marché, puisque la distance parcourue par le marché, entre par exemple, ce point et ce point, qui représente ici, là on est à 88,04, là on était à 88,16, ça veut dire 12 pips. 12 pips, c'est un huitième de ça, c'est euh, 0,12% de variation. On a dit avant que EuroGBP, ça varie de 0,77 ou 79, disons 0,80%, 0,8% par jour. Donc là, vous voyez, ça c'est juste un morceau, quoi. C'est un cinquième. Un quart d'un mouvement. Euh, c'est un cinquième d'un mouvement journalier, quoi, ça. Ce petit mouvement. Donc pour un, un scalper, c'est parfait pour nous. Pour nous, c'est parfait. Quoi. Alors. Alors, la bande. Parlons un petit peu de la bande. Donc, nous, on va essayer de faire la chose suivante. On garde une échelle fixe ici. Euh, je m'étais noté de prendre 5 pips. 5 pips, c'est ça. Ça c'est 5 pips. Oui. Du coup, tout s'aplatit. Tout s'aplatit. Parce que la journée est très plate aujourd'hui. Oui. Si je resserre un peu pour montrer la journée, on est dans une sorte de, de range. Il n'y a pas beaucoup de variations aujourd'hui. Hein? Le plus haut, c'était euh, 88,25. Là, on est à 88,05. Ça fait euh, 20. Pips pour un, quelque chose qui vaut 0,88, c'est-à-dire un quart. Un quart. Un quart d'un pour cent. 0,25 C'est microscopique. Donc très difficile de trader ici, bien qu'on aurait quand même pu faire quelques trades. Je me déplace dans le passé. Tiens, qu'est-ce que c'est cette zone un petit peu bleutée Cette zone est bleutée parce que la volatilité est tellement faible que par rapport à des... On va dire au milieu de journée, ça c'est tellement faible qu'on a mis un bloqueur dans notre stratégie pour pas être tenté d'aller trader quand c'est vraiment trop faible. Donc c'est pour ça que le fond est bleuté. Ça c'est la journée d'hier, là il y avait un peu plus de mouvement vous voyez, entre 88.40 et 87.75 ou 78 on va dire. Euh, non, au 80, pardon, ça fait grosso modo euh, 20 et 40, ça fait 60. 60 pips par rapport à... Euh, ça fait euh, grosso modo euh, 0,7% de variation. Mais ici, il y avait des belles opportunités. Alors maintenant, je reviens sur... Je reviens ici sur la présentation et sur cette affaire de programme d'entraînement. Ce que je dis ici, j'y crois très fort. Euh, si vous avez fait du sport dans votre vie, notamment, hein, ou d'autres activités, mais qui demandent de la répétition, euh, un instrument de musique, euh, je ne sais pas, d'autres choses, une langue, apprendre une langue, l'entraînement, c'est ce qui fait la différence. Donc nous, nous vous offrons la possibilité, à vous, de faire l'effort, mais... La, police, la possibilité existe de devenir très fort dans cette stratégie. Comment Parce que, premièrement, vous pouvez récupérer en fait des fichiers antiques que vous pouvez ensuite rejouer. Donc, vous avez la possibilité de rejouer des journées de trading. Donc, ici, il y a le résumé. Je vous montrerai sur la plateforme comment ça fonctionne. Mais grosso modo, vous pouvez faire un clic droit dans l'écran, convertir le zoom en playback. Et puis dans l'espace de travail, vous avez un fichier qui apparaît. Et quand vous cliquez sur ce fichier, grosso modo, vous avez la stratégie, enfin les données du passé que vous pouvez rejouer. Alors, une chose importante, c'est que pour avoir accès à, on va dire, au plus possible de, de tics, qui sont quand même assez limités, je dois dire, sur euh, le CFD Forex, qui sont plus généreux sur les futurs. Mais pour le CFD Forex, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur le store, vous mettez votre nom d'utilisateur, confirmation, <coughs> et puis vous descendez sur la page et vous activez, par exemple, ici j'ai encore USDGPY, mais vous activez, vous, vous activez, pardon, Euro GBP. Dans ce cas-là, vous aurez quasiment trois jours de données antiques. Donc si vous faites. Chaque semaine, lundi, mardi, mercredi, chaque jeudi, vous téléchargez en fait lundi, mardi, mercredi. Et le lundi suivant, vous téléchargez en fait jeudi, vendredi. Euh, vous arrivez à avoir la semaine. Vous faites ça tous les jours. Vous vous retrouvez avec une base de données avec toute l'histoire antique du contrat que vous pouvez rejouer. Alors maintenant, cette histoire de rejouer. Je vais l'illustrer. Ouais, donc tout ça c'est des explications. Je vais vous le montrer directement en live. Et puis on va juste s'amuser pour la fin de la présentation. Donc, tout ça c'est expliqué. Allons directement euh, dans la plateforme. Alors nous avons la plateforme devant les yeux. Je vais l'ouvrir au maximum. Hop, voilà qui est fait. Je double clique ici, donc j'ai euh, le, je dirais le, 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 voilà trois jours, voilà, voilà ce qu'on obtient euh, quand on ouvre la plateforme juste comme ça par défaut. Maintenant, regardez ce que je fais. Clic droit, convertir le zoom au playback. On attend. Voilà, il est rapide. Les données ont été enregistrées avec le titre Euro GBP, la journée 19.6. Vous voyez, 19.6 c'était là, 0 heure. À 18h35 on est 18h35 donc c'est 0 h du 19 6 jusqu'à aujourd'hui 18h35 je ferme donc ça fait bien en fait la journée du 19 20 21 ça fait 3 et puis 22 4 non en fait c'est 4 en un coup c'est 4 qu'on peut euh, télécharger maintenant je ferme cette stratégie je vais dans la barre d'espace de travail. Et puis, vous voyez, playback. Alors, avant de commencer, j'avais déjà sauvegardé un fichier. Maintenant, ce fichier, il est là. Il a en dessous les études par défaut. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer notre stratégie. Voilà. Et voilà qui est fait. Alors, une fois que j'ai fait ça, je ferme la barre de, 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 de personnalisation, enfin d'espace de travail. J'ouvre pleinement la stratégie, je descends le bas puisque je n'en ai pas besoin. Puis en fait on a cette espèce de, de petit appareil de contrôle. Alors la première chose que je vais faire c'est je vais euh, rajouter ici un moyen de placer des ordres, le carnet d'ordre, je le rapetisse, je choisis paper trade, ça m'ouvre ici paper trade, c'est-à-dire un compte de simulation. Je le baisse, je vais même éliminer le reste. Supprimer, supprimer, supprimer. Donc il me reste uniquement mon contrat avec ce nom particulier qui représente en fait un fichier de playback. J'ai la stratégie ici et j'ai le contrôle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est... Je regarde juste la taille 100 000 par défaut. Là, on, on voit 100 000 par défaut. Donc ça, c'est parfait. C'est un contrat quand même de, de, de Forex. Plus 60. Plus 60. Vous voyez, avec plus 60, je rajoute 60 minutes. Ce qui me fait avancer maintenant à 2h du matin, le 19. 3h du matin, 4h du matin. Vous voyez que maintenant, la volatilité a un petit peu augmenté puisque le, le fond d'écran bleu a disparu. Mais il faut dire que je n'étais en train de comparer que par rapport au début de, de journée. Et je vais euh, rajouter jusqu'à ce que ce soit 9h du matin, 6h du mat, 7h du mat, 8h du matin. Donc, si je me mets comme ça en position avec mon playback, ce que je peux faire, c'est je peux changer ici la vitesse. Alors, il faut être prudent. Si je mets 10 par exemple, j'applique 10 et je dis play. Alors vous voyez maintenant que mon écran ici se déplace, enfin se déplace disons, euh, bouge. Alors je me, au niveau de notre euh, fameuse échelle, on va se mettre euh, correctement à 5 pips. Voilà. 5 pips c'est ça. Donc vous voyez qu'en réalité il y a très peu de volatilité ce jour-là, en tout cas à cette heure-là. Alors peut-être que 5 pips c'est un petit peu exagéré. Hop, je vais légèrement écarter, voilà. Cinq pips, je zoome, grosso modo, j'ai ma stratégie, j'ai mon ma bande qui est très fine, ma bande de supertrain, parce que ça reflète en fait une fois la TR. Et puis ce que je fais c'est que je me mets en mode trade guard mode trade garde la main vous voyez la fameuse main j'ai ôté la main donc c'est si maintenant je veux rentrer en position je peux me positionner je peux travailler mon ordre comme en réalité quoi j'annule l'ordre en bas j'en ai pas besoin parce que je peux suivre ce qui se passe là haut et grosso modo bon euh, le temps passe etc donc maintenant qu'est ce qui se passe ici au niveau du du euh... alors c'est pas très rapide alors ce que je peux faire c'est je peux me mettre sur 30 par exemple J'applique. C'est un petit peu plus rapide. Ah, ça c'est un changement de retournement de tendance. On va juste le prendre. Alors, il faut quand même se dépêcher. Bye. On est en position. Ah Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici Eh bien, on avait un objectif qui était relativement court. Alors on va se replacer dans le, la barre de personnalisation. Ce qu'on va faire, c'est par défaut, on a en fait ces click-stop, click-target. Et on va les mettre en fait sur 5 de manière à ce qu'on ne se fasse pas stopper tout de suite. Voilà, on ferme. Je vais me remettre en position. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après. Allez, on va dire que... On regarde un petit peu ce qui se passe. Le marché qui essaie un petit peu de, de descendre. Allez, si le marché fait un petit rebond sur cette bande, je le prends en long. Allez, je le prends long. Bye. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je peux me positionner, vous voyez, au niveau des, des stops et des objectifs. Et puis, euh, je gère ma position, etc. Donc là, vous voyez, 10, 12, 13, 14, 15, 16. C'est comme en réalité. Alors, si je veux appliquer ici un stop suiveur, je peux faire le stop suiveur, etc. Je sors de position, par exemple. Hop, je suis sorti de position. Vous voyez ce que vous pouvez faire c'est exactement comme si vous tradiez dans la réalité vous voyez, maintenant qu'est ce qui se passe ah, là il est en train de voilà on voit que la couleur a, a changé maintenant il faut le considérer plutôt short alors short on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe ah, là il descend quand même un petit peu peut-être on peut se dire s'il remonte un petit peu vers là on va le prendre donc euh, on peut déjà peut-être placer son ordre je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après hein. mais on peut peut-être un petit peu se positionner là. On peut voir un petit peu ce qui se passe. Ça remonte. Il est 9h16, donc c'est quand même souvent il y a des chiffres économiques, des choses comme ça qui se produisent. Et pour les besoins de la cause, on va faire juste un petit, euh, un petit. Euh, euh, il faut pas être trop gourmand, il faut pas être etc. Le truc c'est que j'ai je, je pas préparé cette journée-là. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Si il casse, on y va. Hop. On fait on baisse ça ah, sinon Ah voilà ouais donc là je suis j'ai voulu rentrer à la main peut-être erreur de ma part je ferme j'aurais dû rentrer directement par un bouton ici un sel direct sel 100 000 etc ce n'est pas grave ce n'est pas grave c'était une opportunité perdue il y en aura toujours d'autres on va un petit peu avancer pour voir ce qui se passerait un peu plus tard voilà donc là, vous voyez, on rentre dans un grand range. Donc là, il y avait un peu une opportunité de faire quelque chose. Je l'ai loupé. Et grosso modo, regardons un petit peu l'après-midi ce qui se passe. 11h47. Ça rebondit un petit peu. Supposons qu'on rentre en position. Oui, on rentre en position. Donc on a le plaisir vraiment de la nano, le, le trade guard, etc. Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer maintenant. 12h55 en plus, c'est n'est pas vraiment l'après-midi. Peut-être une perte. On a un autre stop. Jamais bouger le stop. On peut le monter mais on faut pas le descendre. Vous voyez que la ligne ici elle suit en fait le le... comment dirais-je Elle suit le Super Train. Petit rebond ici. Euh, bon. Et là on n'est pas dans le cas de, de simulation où on essaie de, de, de faire avancer le... ah, ça remonte un petit peu, etc. Alors là on peut utiliser un petit peu si on n'a pas trop confiance dans le trade. On peut remonter pour réduire le risque. On voit la taille du risque ici, 25 pour un objectif de 118. S'il touche ici, ça fera 118. Et grosso modo, on peut aussi transformer ça en trailing. Et, et voilà, malheureusement, etc. Donc vous voyez que euh, ici, vous pouvez vous surprendre vous-même. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et vous pouvez travailler. Vous apprendrez au niveau de la volatilité ce qu'est vraiment une volatilité grande par rapport à une volatilité faible. Vous avez en permanence des signaux, puisque vous avez des cassures au sein du euh, Triline Break. Vous avez des retournements de tendance comme ici, avec une impulsion, etc. Vous avez, ce qui est très important, la direction. Je ne traite que dans une direction, celle qui m'est indiquée par le super train. Et vous pouvez utiliser le super train aussi comme, euh, je dirais, pour, pour euh, éventuellement des rebonds, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Maintenant, vous voyez qu'ici, on est entre 12h et 14h. Donc là, forcément, il n'y a pas non plus grand chose. On va une fois mettre l'après-midi. Voilà, 15h50. Voilà. N'oublions pas que Euro GBP c'est aussi un contrat qui bouge souvent le matin quand il y a des chiffres économiques anglais. Et le fait de mettre l'échelle ici fixe, ça vous ratatine la courbe, mais au moins vous êtes dans la réalité, quoi. Parce que si je mets la journée, euh, si je mets la journée suivante, après, journée suivante, hop. Donc la journée suivante, c'était la journée du, du 20. Celle-ci, je l'ai imprimée. On va aller une fois discrètement vers 9h. On va faire 5 minutes de plus. 9h16. Regardez, le. il va y avoir un chiffre qui va sortir. Là. Le marché va monter assez fort. Regardez ce qui va se passer. À 23. tac oui <laughs> c'est comme du vrai trading c'est vraiment comme du vrai trading alors là, est ce qu'on rentre ou on rentre pas allez on va rentrer on va être vraiment on joue on joue la dynamique on essaie de, de faire du scalping oui on joue la dynamique est ce qu'on va attraper ça ou pas paf on a attrapé donc etc etc quoi oui donc c'est vraiment intéressant on s'amuse un maximum et puis on s'entraîne à devenir meilleur. Et après on trade sur, euh, par exemple, l'après-midi sur du, du un, un, on dire un vrai compte avec des vrais sous, une taille qui vous, qui vous, qui vous rassure, une taille avec laquelle vous êtes confortable et euh, vous êtes parti. Vous avez exactement ce qu'il faut pour trader. Alors si vous avez des questions, euh, envoyez vos questions euh, par chat, comme ça j'y réponds tout de suite. Et euh, sinon il est quoi 18h47, on, on arrive vers la fin de la présentation. Après le changement de couleur, de tendance, il faut attendre 10 bougies. Sinon, quand est-ce le meilleur moment euh, ben, Prenons le cas de, par exemple. Euh, prenons le cas d'un de, 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 changement de, de, de couleur. Par exemple, là, je crois que 10h et quelques, il va y avoir un changement de couleur qui arrive maintenant. Donc, pour le moment... Super train à la hausse, il faut prendre des signaux à la hausse. On voit que le marché est latéral. Donc, euh, je dirais, dans un cas comme ça, on va plutôt essayer de chercher peut-être la possibilité que ce... Euh, comment dirais-je, le triline break, que le marché vienne un petit peu nous toucher ici au niveau du super train, rebondir éventuellement, ça, ça serait intéressant. Ou alors peut-être, vu la hausse, il va peut-être redescendre. Vous voyez? Maintenant... Là, il y a un retournement au niveau de la bande triline break. Mais vous voyez la taille des bougies très très petite à comparer avec la taille ici du... Euh, ça, c'est une fois la TR, cette hauteur. C'est une fois la TR. Là, on a des bougies toutes petites. Donc là, on est vraiment en, 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 en face avec, je dirais, des, des très 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 petites euh, variations. Donc, ça ne vaut pas la peine de rentrer vraiment. Ici, est-ce qu'on va changer de couleur Là, on approche de la dixième bougie. Ça clôture pour le moment en haut ou en dessous. On va savoir ça tout de suite. Ah, en dessous, changement de couleur. Bah, changement de couleur, maintenant, on pourrait déjà dire je rentre short si j'avais envie. Mais comme il n'y a pas beaucoup de force, on va chercher le moment un petit peu opportun. Donc, si je suis short, je préfère le prendre un peu plus haut, le marché, vous voyez Donc, si je suis short, peut-être il faut dire on attend un petit peu qu'il revienne par là. Ou alors, il faut vraiment qu'il commence à descendre fort, voyez donc ici, ça ça correspond un petit peu à la, la résistance. On est comme dans un range ici. On va attendre un petit peu qu'il monte un peu plus haut. Donc il faut être patient. Comme vous l'avez écrit, il faut être patient. Donc là, éventuellement, on peut rentrer. Je vais faire un sel. Éventuellement, on peut rentrer ici parce qu'on a eu un retournement de tendance. Donc peut-être il part pour quelques... il fait un petit peu de, de trajet vers le, vers le bas. Ou peut-être pas. Ça c'est un petit peu les risques du métier. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de force. Voyez Mais bon, on est quand même en haut, il y a eu un mouvement grand, il peut tout à fait redescendre, et... etc. Donc, sinon, quand est-ce le meilleur moment Le meilleur moment, c'est il faut... il faut apprendre. Il faut apprendre ce qu'est le meilleur moment. Ça, ce sont des possibilités de rentrer en position. Là, s'il se retournait, voilà, ça c'est une belle... Allez, je double la position. Ça, c'est une belle possibilité de rentrer en position. Maintenant, est-ce que c'est... Un choix judicieux, je reste exposé à un risque. Vous voyez Je reste exposé à un risque et euh, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Là, il bouge un petit peu. Ah Peut-être que c'est bon de... de, C'est peut-être bon de sortir en position tout de suite. Vous voyez C'est du scalping. Ce que j'ai appris en le tradant live avec les gens, c'est que quand vous avez la, la, la possibilité de, de prendre, il faut prendre, surtout en début de journée. Enfin, en début de session, il faut prendre parce qu'il euh, vaut mieux être avec 15, 20, euh, je ne sais pas, 10, 30, 50 euros selon la taille, avec un petit peu de crédit. Comme ça, la prochaine fois, quand vous faites une perte, eh bien, vous avez un petit peu un petit matelas. Si vous commencez tout de suite à être trop gourmand, vous n'avez pas le mouvement que vous attendez. Euh, il vous offre 50, vous ne les prenez pas et vous perdez 50. Et puis après, vous recommencez. Il vous les offre, vous ne les prenez pas et vous perdez 50. Et ça, c'est la, 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 la leçon pour perdre. Oui. Alors, autre question. Le plus important, c'est il faut être dans les moments où le marché bouge. Ça, vous l'apprenez facilement. Hein. Il suffit de, de, de regarder un chart. Et vous vous regardez un chart euh, cinq minutes, vous vous ou une heure, ou ce que vous voulez, et vous verrez bien. Un euro GBP euh, entre 8h et 11h du matin, ça peut tout à fait bouger juste parce qu'il y a un chiffre économique et puis après vous avez quand même un petit peu l'après-midi, c'est-à-dire le GBP contre le dollar, le dollar contre l'euro, donc les américains se lèvent, le dollar va bouger contre toutes ces monnaies et ça peut aussi entraîner que l'euro bouge par rapport au GBP, etc. Vous pouvez vous retrouver à, à trader short à un moment et puis 10 minutes après, ça va relativement vite, hein. 10 minutes après ben, peut-être que vous êtes long maintenant, vous dites à ah, la prolongation d'un signal euh, hop je j'essaie de prendre euh, je suis rentré le mouvement était peut-être plus haut ah, bon je veux protéger un petit peu ce que j'ai gagné pour le moment etc euh, ta, 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 bon, etc quoi donc euh, je vais sortir de position nous sommes arrivés au bout de la présentation euh, je vous remercie pour votre attention je vais juste passer sur la dernière slide c'est à dire slide euh, de la, la slides pour les clients ou les gens qui ne sont pas encore clients chez self invest donc je résume ici self invest il a vocation à aider ses clients à devenir de meilleurs traders nous sommes propriétaires de notre plateforme la puissante nano trader dont vous avez vu les les on va dire les, 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 les merveilles juste à l'instant Scalping, day trading, swing trading, on fait tout, les types de trading avec des outils pour chaque type de trading, <coughs> plus de 50 stratégies, les signaux, etc. Vous en avez vu une version dans cette présentation. Cette présentation, c'est une formation. Elle sera sur notre chaîne YouTube demain, dans la matinée, je pense, ou en fin de matinée. Je vous enverrai un email avec la présentation. Et si vous n'êtes pas encore client, si vous êtes client, je dirais, Prenez la stratégie et faites-vous mal. C'est comme ça que vous arriverez, vous arriverez à la maîtriser. Il n'y a pas de secret. C'est purement, il faut faire pour apprendre. On le sait tous, quelle que soit l'activité dans laquelle on s'est investi déjà dans notre vie, on sait que c'est la recette. Il n'y a qu'une recette, c'est le travail. D'un autre côté, être client de Self Invest, vous avez les super outils, vous avez la possibilité de faire l'entraînement, d'accéder aux données antiques de refaire le match. ce sont des choses. aucun autre concurrent à ce genre d'outils et de facilité. donc, faites le bon choix. nous sommes régulièrement euh, euh, primés. service client, plateforme éducation. donc, faites un bon choix. rejoignez-nous. travaillez dur avec nous et devenez un bon trader, un meilleur trader. sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. et puis, euh, on fonce tous chercher notre bière dans le frigo, quoi. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. J'arrête l'enregistrement.